Salut les amis, alors voilà, la propagande. Seniors, professionnels de la santé, femmes enceintes, malades chroniques. Cet hiver, je me protège, je protège les autres. Je me vaccine maintenant contre la grippe et j'applique les gestes barrières. Voilà, respectons les distances physiques, toujours le, voilà, mairie de Toulouse. Voilà, donc c'est les panneaux de co, hein, ceux-là, ils sont JC de co, ça fait longtemps, ils ont même les vélos. À ma connaissance, il y avait des appels d'offres qui étaient faits tous les ans, donc pour certains marchés, quand c'était les marchés publics. Mais apparemment, c'est toujours les mêmes qui les ont. Voilà, donc depuis longtemps. Voilà. Donc, bon, mais que dire, je vais continuer. Qu'est-ce que c'est là qu'il y a sur de l'autre côté? Voilà, là, notre truc là de. Ah, mais c'est le théâtre, ça. Lily, Ulysse, Le Retour. Une comédie, Julie Safon et Laurent Berthier. Adaptée de l'Odyssée des Mers par Samson Lautre. Ouais, pourquoi pas. Donc, 13 à 24 octobre. Donc, Grenier Théâtre. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça, c'est l'avenue de Lombez, alors, voilà. Allez, Lombez. Alors Lombez, c'est une ville qui est dans le Gers en fait, hein, puisque c'est là, par là-bas, là, ici, donc on va en direction donc ouais, du Gers. C'est pour ça que ça s'appelle Lombez, si on continue tout ça, donc l'Ardenne, Tournefeuille, Plaisance du Touche, hein. Voilà, depuis Toulouse. Hein. Donc voilà, si je vous fais visiter la ville, voilà, ça c'est le lycée, le collège et lycée privé. Émilie de Roda. Hein? Voilà, sous vidéosurveillance, bien sûr. Voilà, où nous en sommes, les amis. Donc, voyez, la propagande, la grippe, on vous envoie ça chez vous, on fait de la pub. Alors, il y avait une trentaine d'années, je me rappelle, je travaillais un petit peu donc, dans la publicité. Et tout ce qui était médical, pharmacien, tout ça, la publicité était interdite. Voilà, donc les choses ont bien changé pour eux, hein, donc c'est pour cela. Et voilà, donc où va le fric, hein, le fric va là. Donc ben, la grippe, vous savez ce que j'en pense. Hein, évidemment, ouais, je me protège et avec un masque. C'est rigolo, hein. Pourquoi ils n'ont pas dit carrément qu'il y avait une épidémie de grippe? Enfin bon, en fait, elle était moins mortelle que les autres années, hein, puisque donc 78, c'est ça, 78 décès, il me semble. Bon, enfin, c'est dans ces eaux-là, hein, à un ou deux près ou une dizaine de près, c'est pas grave. Hein. Donc pour 2020, enfin. La saison précédente de mort de la grippe, alors que la grippe saisonnière, c'est entre 8000 et 20000 morts. Voilà, c'est les chiffres que j'ai. Alors, bon, bien sûr, évidemment, si vous avez des chiffres plus justes que les miens, que ceux que j'ai, que ceux que j'avais trouvés, ben vous me le faites savoir. Voilà, allez. Donc, toujours les masques, hein. Alors, il y avait bien sûr des bombardements donc, dans le ciel, et voilà. Allez, salut!